Salut les potos, c'est Speedy Lee, on se retrouve sur Pokémon Colosseum Red. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais bon, je voulais faire une peut-être dernière vidéo pour la soirée. Alors bon, juste... Ok, voilà. Alors bon, je voulais juste tasser un peu mon verre. Alors bon, on va continuer juste filer avec Takim et après ça, on va s'arrêter pour ce soir. Hein? Après, tu es persuasif, c'est pas vrai? You still want him to go, but... En plus, tu vas pas me donner, non? Je t'apprends ce qui va être d'avoir la tête dure. C'est quand pas comme je dis, pas put point. Genre, il dit, bon, ce que tu fais, quoi qu'on m'aime pas. Tu sais, il donne un coup de poing, un peu plus, il tombe dans le trou, genre. Toi, je pense qu'il traite de monstre, comment tu peux refuser un combat? Ah, je peux te dire. Tu penses vraiment qu'un ver de terre comme toi peut gagner? Tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu me donnes la flux du temps et puis sans problème et puis c'est ta faute si tu te fais blesser. Quand tu coopères pas, ben j'ai pas le choix que... Ben il faut qu'on peut t'abonner. Ok, c'est le lab de Hench, je sais pas quoi. Qui es-tu? Qu'est-ce que vous faisiez derrière moi? C'est ta bille, genre. C'est toi le mec qui fait des troupes genre avec la forêt Selby. Et en plus tu viens me mettre En plus tu viens pour me faire chier le great... moi le grand d'Alkim, mais ne me fais pas rire. Je vais te montrer une leçon que tu n'oublieras jamais après. Bon bah c'est ça. Je sais qu'il me donne un coup de poing lui aussi mais bon. Alors Shipper Admin d'Alkim. Ah bon, ne vous inquiétez pas, j'ai enregistré avant, hein, pour... parce que je sais qu'il y a un Pokémon... Oh, Jinx! Et des Angoose. Jinx, je sais plus trop c'est quoi comme... Je sais que c'est un Pokémon psychique, mais... Est-ce un Pokémon de glace? Je ne sais plus. Là bon. C'est ça, sur Zangoose. Je me rappelle plus si Zangoose c'est un type ténèbre ou un type psychique. Bon, ça lui a rien enlevé à Jinx, ok. On m'a paralysé, ce qui est bien. On va plus se concentrer sur l'autre. Ah, crade, il me fait aussi paralyser. Ok, ouais, deux paralysés. Je pense plus que Zangoose c'était un Pokémon de type ténèbre. Bon, c'est pas bien, bon. Donc, qu'il soit ou qu'il soit pas, ça me dérange pas. Quet? Pas pris beaucoup, mais bon, c'est Zangoose qui va prendre le plus. Bon, on va plus se concentrer sur Jinx maintenant. Dynamic Point. Oh, crotte. Ok, moi, il a raté, nice. Moi, je vais finir Zangoose comme ça. Si elle fait encore Earthquake, ben, j'aurai l'avantage. Hop là, oh. Sortir Barboche, non, lui à lévitation. Waouh, vraiment, ça c'est une belle attaque. Mero Sound, ok. Est-ce que je finis Barboche ou je finis Jinx d'abord? Non, je finis encore Barboche. Non, paralysie. Oh, j'ai pas acheté de paralysie, merde. Ça dérange pas. Je vais essayer de le finir, mais bon. On va voir si ça va marcher. Je pense que ça devrait le finir. Ça devrait le finir. Ça devrait. Nice. On va m'envoyer Hopi. Paralysé, peu bouge. Ça, moi, je suis bien content. Je vais finir Jinx. Hein. Bon, Hopi, bon. Pas si grave. Jinx, ça dégage. Il va me sortir. Altaria. Pas pire comme Pokémon. Non, c'était même un très bon Pokémon. Méditate, ok.
J'ai pas envie de finir Altaria. Alors... J'ai un peu peur de l'attaquer. Voilà, Hopi est fait. Je vais faire Flare parce que de toute façon ça fait pas beaucoup de dégâts. Et de toute façon je suis presque full vie à la mort. Bon, ça fait rien du tout. Shadow Rush, ok. J'ai un peu peur de faire ça. Je vais essayer d'avoir, je vais essayer de l'attraper comme ça. Altaria serait bien dans notre équipe. Pas un bon niveau. Et de toute façon, un type dragon, alors bon, on va voir qu'est-ce qu'il aurait comme attaque. Bon. Bon, ok, il veut pas. Bon, ça lui fait rien comme dégâts, merde. Shadow Rush. Pas de coup critique sur lui. Merci. Ok, c'est pas pire, c'est pas pire. On lui enlève lentement mais sûrement. Shadow Rush encore, bon, elle va finir quand on va faire mon grade de voix. Ça dérange pas. Sudowoodo qui a un moins... je vais essayer de le faire, je vais faire dormir Altaria, comme ça ça serait mieux pour nous. Tiens, Love the Kiss, tiens, on va voir ce que ça va faire. Ok, il est dans le jaune, c'est bien, on pourrait encore, on pourrait. Giga Drain, on fout de ma gueule quoi. Ah! Ah, il fallait que tu rates. J'essaie de le paralyser, mais... Ça n'a pas trop l'air de marcher. Hop. Bon, là, c'est Sudowoodo, il faut vraiment que tu le fais dormir. Vas-y, marche, 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 marche. Nice! Nice, nice, nice. Bonne nuit. C'est bien, ça dort. Il est retombé dans le jaune, ok. Non ! Pourquoi il fallait qu'il se réveille ? Ah là là! Bon. Faut pas utiliser très attaque au cas où que ça le brûle. Bon, c'est bien, moi il reçoit.
Ah, j'ai envie de faire une attaque d'eau. Bon, ça dérange pas. Une, deux, trois. Ah, ok, non, non, c'était mieux de pas l'attaquer. Mais ça se blesse lui-même, ce qui est bien pour moi. C'est de la... Ah, c'est beaucoup plus facile avec le Master Ball. Le Master Ball pourra faire la même chose avec le Master Ball, tu sais. Master Ball, on pourra faire la même chose qu'avec les Ultra Ball, on pourra les switcher. Mais c'est bizarre comment le jeu a été codé pour que la Pokéball, que dès que tu switches de place, je pense qu'il regarde que... Ah, allez, allez. Je pense que... La balle, genre la Pokéball, genre je pense qu'elle a un code. Et puis quand on bouge ce code, ben... Quand le jeu essaie de vérifier s'il n'y a pas le bon code, alors bon, plus que... je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a un bug, je sais que c'est exploitable, mais... Je connais pas vraiment les trucs, là. C'est parce qu'il essaie de la trouver, mais puisque le seul joueur déjà, c'est le seul à la balle, c'est que même si là où il la passe, alors moi, Je sais pas. Au moins, il vient de sauver là 3 ultra balles. Ce qui est pas pire. Lui va être chiant. Un petit Shadow Rush. C'est pire. Mec, j'ai une putain d'ultra balle, quoi. Allez, bordel. Va me faire chier. Bon, ok, là, dans le rouge. Là. Bon, il devrait pas résister là, t'as rien une. Mais what? Non mais quoi? Ouais, je pense qu'avec le combat contre Takim, dans le vrai jeu, c'est que tu pouvais c'est même bizarre, c'est que tu pouvais attraper Entei avec une Pokéball et puis ça marchait. Moi, j'avais réussi à le faire avec une Pokéball. Alors bon, alors je pense qu'il y a pas qu'il a changé de probabilité. Mais c'est quand même bizarre quoi, qu'on est rendu avec une Ultra Ball. Et qu'on n'arrive toujours pas à l'attraper. Ouais, je pense qu'avec c'est juste dans ce combat que le système de capture est assez bizarre. Si je me rappelle bien, je pense que c'était comme ça. Yes! Ah, bah c'était long, Chris. Ouais, je me trompe pas, c'était lui, oui. Je sais pas. Genre, la probabilité que tu utilises une Pokéball ou une Ultra Ball, c'était pareil. La façon que tu manipules ces Pokémon avec autant de skill, qui es-tu? Mas, maître de Kim. Ah, Scrub. On était outclassé, vous allez dire. Trop, mais on était against him. Hopefully. Bon, je sais pas. On avait aucune chance de gagner. On se replie pour maintenant. On va aller au Hens Lab et on peut les aider là-bas. Comme tu veux, sœur. Ce n'est pas fini. Des plus forts Pokémon sont faits même maintenant. T'es mieux d'être sérieux à propos de t'entraîner tes Pokémon pour nos prochaines fois. Ouais, mais le mec il saute tout, genre, tu sais. Un F-disc, ok, un front disc, on sait, c'est pour. Peut-être plus tard, ouais, plus tard. Ça va, mec, t'as l'air assis, accroupi. Oh, c'est vraiment une expérience que j'ai pas envie de revivre. Je suis content que vous êtes venu pour me sauver, merci. Je suis Vanda.
le leader de mon bateau. Bon, c'est juste les 10 premiers. Je suis Yuki, voici Speedy. Et il explique tout à vendeur. Bon. C'est ça que j'ai compris. Ok, là, je crois aussi. Merci. Il nous a attaqué. La Time Flute. J'ai trouvé dans mon train et dans mon. Quand je me traînais. Et c'est que la Time Flute. Ok, elle a fait apparaître ses juste une fois. C'est quelque chose avec Celebi qui veut quelque chose. Je sais pas ce que. Il veut pas que Celebi retrouve les Pokémon Shadow. Mais on a plus le temps. On a plus le temps de rester ici. Alors retournez. Ok. Ah, on sait très bien que Celebi, genre, bon. Ils veulent qu'on ait ça. On obtient une item flute, ok. Mais tu étais certain. Ouais, on pensait que c'était quelque chose de précieux. Oui, je sais. Je préfère que c'est toi qui utilises la flûte que ces méchants qui essaient de la prendre force. Utilise et sauve un Pokémon, ok. Un thème 47, c'était. Steel Wings. Bon, c'est pas mauvais, mauvais, mais bon. Moi, j'ai envie d'Alteria parce que j'ai envie de dire maintenant. Maintenant, je veux. Alteria, bon, Wailord. Il n'y a pas de mauvais Pokémon, mais bon, si je préfère Alteria pour l'instant. Oh, crap, tu l'as dit. Ouais, bon, Moi, j'aime bien les mettre en ordre de niveau. 33. Bon, ok, c'est une perte de temps. Nous sommes. Je le ferai en vidéo, ça. On va aller directement à on va aller directement là-bas pour aller ouvrir le cœur d'Alteria pour qu'on l'utilise déjà en combat. Bon, il y a un combat de dresseur, mais bon. Bon, pas l'intérêt pour l'instant. Oh, ok, j'ai entendu. Big commotion. Il y avait quelque chose de comme ça. C'est pas surpris. Il faut que tu ailles le sauver. Moi, chez lui. Nanani, nanani, nanani. Avant d'aller chez lui, j'ai envie d'ouvrir le cœur d'Alteria. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nice, à moi, il me laisse passer. Faut que tu ailles chez toi. Bon, j'ai pas le temps d'aller chez toi là. Ok, ils m'ont laissé passer. Moi, j'ai bien content. Oui, je sais, on pense que c'est. Mais non, mais. Ah, mais je vais utiliser moi la flûte. Use on Alteria, s'il vous plaît. Ah, voilà. Et voilà notre petit Celebi. Qui va ouvrir le cœur d'Alteria d'un seul coup. Et voilà. Bon, même si elle n'a pas pris de niveau, ben bon. On est quand même on est niveau 40 entre les Pokémon. Alors bon, moi ça me dérange pas. Flame Wheel. Oh, c'est bien, c'est enfin. On fait une attaque feu. Putain, ça me manquait ça. Attends, mais il y avait 3 attaques. On l'a même pas vu. Je sais qu'il a pris Flame Wheel, mais je connais pas les autres. Flame Wheel, Giga, Vest Grip. Et puis, bon, mais enfin, enfin, on a une attaque feu. Putain, ça a pris du temps pour avoir une attaque feu. Alors bon, c'est sûr que lui il reste. On a tout. On a plus d'attaques normales, on a une électrique, une psychique, un combat, un eau, un bug, un électrique, un vol, et mais on n'a pas de feu, tu sais. De tout le jeu, on n'a pas eu de feu. En fait, je suis content d'avoir une chance que je l'ai bloqué. Bon, vous voyez comme quoi, on a tous les Pokémon niveau 40-41, alors ce qui est assez bien pour moi. Tu sais, j'aime bien que tous mes Pokémon soient au même niveau. Alors bon, Alteria en du niveau 40, c'est bien. Moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est je vais aller soigner tout ce petit monde. Et je pense même que je vais entraîner mes Pokémon leur vidéo, comme ça, on continue, j'aime bien. Mais c'est beau, j'ai vraiment aimé le mode randomize. C'est quelque chose que je fais. En fait, c'est le premier que j'ai fait, si je me trompe pas, c'est le premier. Et puis, je suis vraiment content de mon expérience pour l'instant, tu sais. Non, c'est sûr qu'on galère un peu plus, mais ça fait partie du challenge, c'est du randomize. Alors bon, on va s'arrêter là pour l'instant tout le monde. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Pokémon Colosseum. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao les potos.